001, PRG, CNRD, SGG, portant promulgation de la loi de finances rectificative, exercice 2021. Le président de la transition, chef de l'État, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État. Vu la charte de la transition du 27 septembre 2021, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG, CNRD, SGG du 17 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Décrète, article 1er, est promulgué à l'effet de son exécution la loi ordinaire numéro 2021-0035, Assemblée nationale du 3 septembre 2021, portant loi de finances rectificative pour l'année 2021. Article 2, les dépenses de personnel pour toutes les institutions républicaines et les départements ministériels, tels que prévus dans la loi précitée, sont gênés et renvoyés au crédit correspondant, figurant dans la loi de finances initiale, exercice 2021. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 septembre 2021. Le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya.